Salut à tous, c'est Mister Freeze, et je sais pas où j'ai foutu ma manette, voilà. Donc je vous rappelle ce qui s'était passé. Il y avait une espèce de lutte entre Joey et comment elle s'appelle? Annabelle? Ouais, ça. Je me gourre pas de nom, parce que j'enregistre cette vidéo un peu tard en fait, enfin, plusieurs semaines après l'autre. Bon, je me rappelle du scénario, hein. Et voilà, ben, on connaît le résultat. Joey l'a tué. Alors, quelles sont ses motivations, hein? Pour l'instant, on sait pas. Alors, la tête qu'elle a quand elle est sur le point de mourir, c'est un truc de malade. Franchement, elle est bien faite, hein. Je trouve. Au moins, ouais, ils lui ont pas fait la même tête. Voilà, et là, ben, on nous prend en fait un peu pour les coupables, quoi. Voilà, donc c'était ouvert de l'intérieur, donc Mus se fait attaquer. Qui est, je vous rappelle quand même, la capitale, hein. De toute façon, j'aurai un des choix. Voilà, elle me prend ses excuses, on sait pas trop pourquoi. J'aurais dû répondre oui. Ça change rien du tout aux réponses. Voilà. Première morte importante du jeu. Première morte, tout. Première morte. Enfin, on peut dire les deux là dans ce cas. Donc, quand même, encore un super rebondissement dans le jeu, quoi. Ouf. Attention, ils sont vénères. Ils ont bu du Fanta, hein. Je sais pas pourquoi je dis ça, en fait. Putain, mais l'esquive de fou qu'ils ont. Ah. Alors, ça va être là, si je me trompe pas. Non, putain, je sais même plus où est l'auberge, quoi, c'est grave. C'est là. Je suis con, en plus il y a l'enseigne. En bref, là on revient vite fait. Voilà. Et il faut aller à South Window. Donc faut aller de Coronet à South Window en clair. Voilà. On peut pas prendre de membre de notre équipe, faut partir. Elle, elle va se démarrer toute seule, hein, vous inquiétez pas. C'est une grande. C'est quand même super rebondissement, hein, le truc de Joey, franchement, c'est... Bon, j'avoue que c'était un petit peu prévisible, vu que... Il est un peu bizarre, ces danseurs. Comme que notre meilleur ami comme ça devienne le grand méchant. C'est vrai que c'est assez courant dans les RPG, mais... Je sais pas, en plus Joey, je sais pas, il est différent. Il est intelligent, il est bizarre. Puis on voit que c'est pas le gros méchant qui pète un plomb, quoi. Mais qu'il a conscience de ce qu'il fait, quoi.
Bon bah, de toute façon on va pas en parler plus longtemps. Et puis le cas, bah, le Reclaim Glowy, hein, forcément. On va pas parler de Joey plus longtemps, on verra des explications plus tard. Enfin, on verra plus ou moins quoi. Et ça va pas s'arrêter là. Donc là franchement un beau décor, franchement. Ce jeu est pas particulièrement beau, mais il y a des beaux effets, je trouve. Des sorts, des beaux décors des fois. Donc encore une fois la pénule. C'est à croire que tout le jeu se passe pendant la pénule, quoi. Bien sûr. Ah, des carottes, des navets. Le pire, c'est que j'ai dit, ce serait chouette. En fait, là, qu'on réponde oui ou non, ça change rien. Voilà. Franchement, mais je sais pas, ce jeu, il mélange plein de trucs en fait, je sais pas comment dire ça. Je sais pas, ça fait bizarre là de se retrouver comme ça dans un champ, alors qu'avant c'était un truc de guerre, on avait plein de personnes avec nous et tout. Là on se retrouve un peu seul. Peut-être toilette. Y'a pas des chats ça? Prends donc un peu de whiskas. Je casse tout là, je raconte que des conneries. Et là on se retrouve sur la carte comme ça. C'est marrant. En plus vous voyez, il y a le petit dag, il y a le petit arbre là où on était. Quoi. Bon, je pense pas que ce soit fait exprès. Hein. Voilà. Et on se retrouve. Voilà. Il faut aller à South Window. Hein. On vient de dormir, hein. Mais un petit peu, un tout petit peu débile, je trouve quand même, Pilika. La Pilika, l'ennemi, la Pilika. Elle lui demande qu'est-ce que tu as, tu sais. L'autre, elle perd ses parents. La seule personne qui lui restait, ben, elle vient de nous trahir, tu sais. Il y a peut-être de quoi s'inquiéter. Alors là, on va se perfectionner nos armes. Bon, on peut pas en fait. Bah, si on peut excavier. Je regarde Rune, je vois que c'est vide, je dis qu'on peut pas améliorer les armes, ça sert à pas. Voilà. Ouais. Alors. Donc là, vous avez compris, il faut trouver un bateau. Donc on va se diriger vers le port. Un petit village tranquille, hein, reculer de tout ici. Puis la musique quoi, apaisante, franchement ça va vachement bien avec quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça bien avec. En ce moment le poisson est bien, on verra, bon ça on s'en fout. C'est vrai que majorité des RPG on est toujours un jeune adolescent. C'est pas très logique d'ailleurs, on va être des adultes. Hein. C'est vrai que ça nous met plus en... Parce qu'en général les joueurs quoi c'est plus... C'est plus des adolescents ou jeunes adultes quoi. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Enfin, je veux dire si on contrôlait un grand-père ça ferait bizarre quoi, je sais pas. Enfin bref là tous les bateaux, ben vous voyez que la ville est envahie hein, par l'armée Highland. Donc ben on peut pas trop. Et on va... normalement... Si je me trompe pas... Ils sont où? Attends, je suis en train de spoiler à moitié. Hein. On va rejoindre des gens qu'on connaît déjà. Voilà. C'est même plus la moitié que je peux que je spoil. Je sais plus si c'est dans cette ville ou la suivante. Alors c'est où? Bah non, c'est là normalement. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, je viens de comprendre. Faut déclencher une scène avant, je suppose. Bon, bah, ouais, je sais pas trop par où faut aller là.
Pourtant, je suis déjà allé voir le bateau. Peut-être lui, non? On s'en fout. On s'en fout! Donne-lui du whisky. On va faire ta toilette. Alors. Ah ouais, il y a le truc de... Ah voilà, c'est ça qu'il fallait déclencher comme ça. Bon, en clair, on peut pas... J'appelle pas trop ça une scène. C'est un petit peu un mot exagéré, là, vu que c'est juste un gars qui nous empêche de passer. Et je crois qu'il faut absolument déclencher ça. Pour avoir la scène ensuite du bar. Mais non! Mais c'est pas possible. On répare les escaliers, c'est ça. Franchement, n'importe quoi. T'sais. Non mais comment on fait déjà? Là on est déjà allé. Là y'a rien du tout. Couscous. Je sais pas si on dit pas couscous en fait, mais ça fait un peu cucu quoi. Bon moi je dis couscous hein. Bon ça donne faim mais tant pis. Bon on va aller direct à gauche, à droite. Ah mais non c'est pas par là. C'est pas grave parce qu'il faut d'abord déclencher la scène. Ah c'est chiant hein. Je vous le fais pas dire. Alors je sais pas s'il faut pas dormir mais on vient de dormir là, c'est pas logique. Ils nous disent des choses tellement intéressantes. Bon, je me paume complet, mais en plus je sais ce qu'il faut faire. Enfin, je sais ce que c'est la suite, mais je sais pas comment on la déclenche. Vous voyez, il parle d'un héros comme Genkaku. Mais c'est pas n'importe qui le grand-père apparemment. Bon, moi, je vois pas du tout ce qu'il veut faire là. Est-ce qu'il faudra dormir peut-être? Je sais que la suite se passe dans le bar. Je sais pas quel est l'événement déclencheur. Parce que si vous voulez, ça marche comme ça. Hein. Il faut déclencher un événement pour ensuite voir le suivant et faire avancer l'histoire du jeu, quoi. Enfin bon, comme dans tous les RPG, quoi. Et je sais pas, ça... je peux rien faire. Alors, il y a un truc, je sais pas. Bon, bah... Bah si, ça marche, c'est tout. Bah c'est quoi le délire là? Ah bah ouais, c'était par là qu'il fallait aller. Non, le bar c'est après en fait. Bah donc on retrouve nos trois compagnons du cirque, ok. Ok. Venez chez moi. En fait, c'est le bar, mais bon. J'aime bien le petit détail là, Pelika qui joue avec Bolgan. Un petit détail comme ça, c'est marrant. Bon, c'est sûr, ça fait pas un jeu, mais je trouve qu'on voit que c'est des passionnés quoi, les gens qui font le jeu quand on voit des trucs pareils quoi. C'est débile ce que je dis, on voit juste Pelika qui fonce sur le ventre de Bolgan, mais on voit quoi, ils ont pas torché le jeu quoi. Ils ont mis des petits trucs amusants quoi. Quoi. Ça représente la vie de tous les jours, voilà quoi. Je raconte des conneries, mais c'est pas grave. Donc, bon, vu que je me suis paumé là, va falloir que j'accélère. Donc, on va aller à droite, par là, par là. Donc, bah, en fait, une fois un bateau, hein, si vous avez bien compris.
Voilà, quand on s'approche là, on voit Sheena. Qui veut traverser le lac apparemment comme nous. C'est un mec. Donc quand vous poseriez la question, c'est vrai qu'on peut avoir des doutes. Donc là, on retrouve deux persos assez sympas. Qui sont Tayo et Yamku. Tayo. Ah ouais, putain, j'avais jamais compris le jeu de mots. Tayo. Ah ouais, ok. Yamku, je sais pas si c'est un jeu de mots, enfin bon. C'est peut-être pas fait exprès, hein. Alors lui, bah Taiho, c'est un joueur 2D. Pas 2D, 3D. Hein. Bon, on va faire comme sinon. Bon, je connais pas à la base, hein. Je connais grâce à Suikoden. Hein. En clair, voilà, ça c'est le plus important. Donc s'il y a 3D différents, ça compte pas. Voilà. Bon, c'est assez simple, faut juste s'en rappeler des trucs. De toute façon, les cas spéciaux, hein, ça arrive quasiment jamais. Donc en clair, voilà, bon, la mise on la choisit pas. On va chacun à notre tour lancer les dés. Voilà, là il a fait un 2, parce que 2 dés pareils, donc le dé qui reste c'est le score 2. Voilà, il faut que je fasse plus. Et si il n'y a pas de score 3 fois, bah j'ai perdu. Et comme j'ai une chance de con. Égalité. Donc on recommence. Pas de chance, hein. C'est bien exprès. J'adore. Ils ont fait un dialogue exprès au cas où il y aurait une égalité, quoi. Pas mal, pas mal. Donc on va recommencer, hein. Bon, faut gagner, hein. Bien sûr. Putain, mais il a trop de cul, cet enfoiré. Je pense qu'il faut bien viser le milieu, mais je vous jure, c'est super chaud parce que quand on appuie, quand c'est au milieu, ça arrive pas mieux. Sale crevard. Je vais te buter. Putain! Ah non, en fait c'est le même dialogue si tu perds. Putain, mais salopard. Le pire c'est que si on a plus de fric, on est obligé d'aller dehors. C'est de taper des combats pour se refaire du fric. Ah ben voilà. Enfin. Vas-y, loupe-toi 3 fois. Yeah, encore une fois. Creusez les doigts là, creusez les doigts avec moi. Yes. Bon, faut que je fasse un score. Yeah, mange. Voilà, bon, il suffisait de gagner une fois. Ah, mais lui, c'est vraiment un mec. Qui base toute sa vie sur les dés, quoi, limite. Voilà. Bon, sans se capturer par Island, parce que Island, hein, il faut pas oublier qu'ils interdisent les bateaux de sortir, quoi. J'aime bien ce genre de perso un peu marginal là. Comme Tayo. Alors. Bah, on va rechercher les autres. Voilà.
J'essaie d'aller de faire les dialogues un peu plus vite, mais j'espère que vous avez le temps en fait. S'en fout. Sans même si c'est des pirates, on est 5 contre 2. Enfin 5 et demi avec lui les gars. Enfin Bolgan il compte pour 2. 6 et demi. Voilà, donc on récupère nos persos. Ouais. On va mettre Bolgan en avant. Et là les deux en arrière. Parce qu'elles ont des armes à distance. Voilà. Alors, je me rappelle plus si... Niveau 5, 2, 5... Oubah ! Wow ! Bon, on va quand même améliorer leurs armes. Hein. Parce que là, ça... C'est assez désiré, quand même. Alors... Ouais, putain, un peu que j'ai du travail pour toi. Oh, mais ça coûte que dalle, en plus, quoi. Si j'avais gagné du premier coup le truc des dés... J'aurais beaucoup plus de fou quoi mais... 3-3... Bon là bah une vidéo où il s'est un petit peu rien passé hein, j'avoue. C'est un espace de 12 à 20 quoi. Et lui de 10 à... 39. Ah, le truc de malade. Bah, j'ai plus assez du coup. Bon. On va se dépêcher de terminer cette vidéo. Bon, quoi, une vidéo, il s'est pas passé grand chose parce que je me suis perdu pendant quand même pas mal de temps, quoi. Je pense que c'est pas si grave que ça, vu que... De toute façon... je coupe à un bon moment, comme ça, quoi. Parce que là, je trace la rivière, je sauvegarde et fini. Le gars qui sait pas tenir sa lance. Alors, vous allez me dire comment ils rentrent tous là-dedans. Je cherche pas. C'est un RPG. Ancienne génération. Voilà, bon, j'ai un accès un petit peu finiqué. Donc le voyage vers South Window. South Window? Non, pas South Window. Coronet, je crois. South Window qui est au sud de Coronet. Si je me suis pas trompé, on arrive à Coronet normalement. Ouais. Bah, vu le nom, c'est un peu logique. Notre qui se colle carrément. Alors. Bon ben, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Puis je vais vous laisser là. Donc, si je trouve une auberge. Voilà. Non, j'aurais pu recharger les armes hors vidéo, on a. Vous inscrire. Ouais, signer le registre. J'aime bien les moins détournés pour te faire sauvegarder. Ouais, c'est bien celle-là. C'est parce que j'ai déjà fait la vidéo, je l'avais loupé en fait. Couscous. Ah ouais, on a couscous là, je suis bête. Oh, putain, j'ai mis encore plus de temps que d'un fois. Enfin bref. Bon, bah, je vous quitte ici. Bon couscous, et puis à plus.